Et bonjour à tous, on est reparti pour une nouvelle vidéo super intéressante, complètement inutile, qui est déjà la deuxième ou troisième, je crois, de cette série-là. Les opening packs sur League of Legends, mesdames et messieurs. Alors c'est très con, ça prend 5 minutes, mais généralement ça plaît plutôt bien. Les gens aiment d'habitude, enfin aiment ce genre de truc, c'est comme sur FIFA, voilà, t'ouvres une carte, t'ouvres un truc random, les gens aiment bien voir ce que t'as. Et ça m'éclate aussi de le faire, du coup je me dis bon allez, une petite vidéo de 5 minutes, ça peut vous divertir un petit peu. N'hésitez pas, si vous l'avez déjà fait, à me partager, pardon, je perds mon français, vos loots en commentaire. Et si vous ne l'avez pas encore fait, ben dépêchez-vous parce que c'est que jusqu'au 3 novembre, comme c'est marqué là, donc vous avez environ 2 semaines si je dis pas de conneries quoi. Donc rapidement, pour ceux qui connaissent pas le principe, en fait c'est à des événements, généralement je sais pas, je crois que c'est plusieurs fois dans l'année, parfois c'est Pâques et compagnie. En gros, Riot vous propose 6 skins que vous allez pouvoir acheter avec divers paliers de réduction. Ça peut être 20% de réduction, 50, 60, 80 je crois, même parfois ça monte. Et généralement ça c'est bien foutu, c'est à dire c'est les champions que vous jouez ou c'est le rôle que vous jouez. Genre typiquement c'est un mec qui joue full support comme mon cas, il y a beaucoup de chances que des supports pop. Ne perdons pas de temps, on va directement passer à l'opening. Qu'est-ce qu'on veut? On veut 2 choses et pourquoi pas une troisième. On veut le skin Morgana Cuisinière, tout simplement parce qu'il n'est plus en vente. Et le seul moyen que je chope Morgana Cuisinière, c'est soit dans ces petits trucs-là, soit en cadeau mystère. Le nouveau skin de Morgana qui est sorti hier, Halloween, tant qu'à faire, autant qu'il tombe là avec une petite réduque. Et ce qui me ferait plaisir, c'est un petit skin de Nautilus, parce que Nautilus, c'est un perso que j'aime bien jouer support, et je n'ai aucun skin dessus. Donc j'aimerais bien un petit skin de Nautilus. Pour le reste, aucune demande particulière. Tout ce qui est skin ultime comme Ezreal, Udyr et Sona, ça coûte très cher. Donc même si t'as, on va dire, 60% de réduc, ça coûte toujours un bras. Et le prochain de luxe, malheureusement, ben, pour l'instant, il sera pas encore sorti. Et ah tiens, pourquoi peut-être, pourquoi pas, pour le fun, un des skins Sailor Moon, tiens. Genre, pourquoi pas Jinx, que j'aime bien jouer, donc why not. Écoutez les mecs, on y part tout de suite. On va y aller un petit peu, n'importe comment on va faire. On va commencer par le deuxième, tiens, allez. Le deuxième, on veut du Morgana. On veut du Morgana. Blitzcrank, high Blitzcrank à 30%. Pourquoi pas. Bon, de toute façon, on a passé d'RP, donc ça règle le souci. Ah, on voit pas les prix. Bon, allez, on va le dernier. On va loot le dernier, les mecs. Lee Sin, Muay Thai à 70%. Bon, Lee Sin, c'est un perso que je joue assez souvent, donc je sais pas si ça marche ou pas, mais j'ai déjà deux ou trois skins dessus, donc on ne va pas acheter Lee Sin Muay Thai. La première. Elle a 780 RP, mais on s'en fout, il nous en manque 300, mais on va les mettre les RP, putain. On va les mettre les RP. Je vais enfin avoir tous les skins de Morgana. Bon, on va pas se plaindre, c'est un peu unlucky, on a que 20% de réduit, qu'on aurait pu avoir 50. Mais putain, c'est le skin de Morgana qu'il me fallait absolument. C'est parfait. Bon, les mecs, tout le reste c'est du bonus, tout le reste c'est du bonus. Putain, enfin dessus. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Bard, Snowbard, pourquoi pas. Bon, ouais, 600, ça fait peut-être un peu cher. Bon, j'ai déjà un skin pour Bard, on va laisser tomber. Allez, on continue rapidement. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le skin de Janna. Il y a un pote qui m'a offert Janna pour mon anniversaire, le dernier de Sailor Moon, donc on va laisser tomber. Et pour finir, allez, ce qui serait parfait, ce serait le deuxième skin de Morgana. Le Morgana d'Halloween. Et on a Soraka. Ouh, là, si, ce skin par contre. C'est Reaper Soraka, moi j'ai déjà le High Soraka, je sais pas comment il s'appelle là, celle où un peu robotique. Donc ça m'étonnerait que j'achète celui-là, mais bon. On voulait Sinful, Succlens, Morgana, et on l'a eu, c'est parfait. Voilà, alors là je suis archi content de mon loot. Vu qu'il faut un petit peu jouer à Bajoie, on a que 20% de réduc dessus, donc c'est un peu triste. Mais c'est le dernier skin de Morgana qui me manquait. Si je compte pas le Halloween qui vient de sortir, mais qui est donc du coup disponible à l'achat, donc je vais l'acheter. Et donc voilà, c'était le truc qu'il me fallait, parce qu'il n'y avait que, comme dit ce que je vous disais en début de vidéo, il n'y avait que ce moyen-là, ou les skins mystères de l'avoir. Du coup c'est archi worth, je suis archi content. Voilà, on va pas s'éterniser plus longtemps, ça ne sert absolument à rien de continuer là-dessus. Voilà, c'est tout, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à partager... non pas à partager, si à partager la vidéo vous pouvez aussi si vous voulez, mais à partager vos loots dans le commentaire. Un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir, un abonnement ça le fait encore plus si vous ne l'êtes pas. Je vais essayer, je sais que c'est une fois de plus la promesse que je répète un petit peu ces derniers temps, de faire plus de vidéos à partir de la fin d'année, peut-être pour essayer de trouver un autre jeu qui coffre légende ou je ne sais pas, essayer de proposer un petit peu de contenu divers et variés. N'oubliez pas ce soir, donc dans la nuit hein, du coup de ce soir à demain, les Worlds recommencent, on continue, première demi-finale du coup sur les coups de minuit. Il y a un truc qui n'a absolument rien à voir, si
vous aimez la musique, si vous aimez le rap français, il y a Sneezy, qui fait partie de 1995 de l'entourage, qui a sorti un EP, la surprise générale 7 mix, qui s'appelle Dieu bénisse Super Sound. Je vous le conseille. Je vous le conseille. Bon, la moitié, c'est des sons qu'il a déjà sortis les dernières semaines, les derniers mois, mais c'est un très bon album de rap français si vous aimez ce genre de musique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On va éviter de ne pas faire une outro encore plus longue comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Super, ça fait deux fois vidéo en moins de 10 secondes. Salut !